Tout simplement, un peu de votre attention, juste pour vous apporter un message, c'est l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Parce que Jésus vous a tellement aimé, vous êtes d'un amour inconditionnel. Peu importe votre passé, même si vous avez péché, il vous aime tel que vous êtes. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus-Christ, qu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix, afin que chaque personne puisse croire en lui, que personne ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est par Jésus-Christ, parce que c'est le seul chemin, la vérité et la vie, hein, qui nous amène à la vie éternelle. Parce qu'il n'est pas là, il n'est pas venu pour nous condamner tous, mais pour qu'on soit sauvés. Son seul désir, le plus profond dans son cœur, c'est que qu'on soit sauvés, qu'on parvienne tous à la connaissance de la vérité. Alors ici dans ce monde, on peut s'accrocher à des tas de choses, comme au sexe, au poids de nuit, à la cigarette, à l'alcool ou à la drogue, ou pas mal d'autres choses. Mais on n'emportera rien avec nous, même pas notre portable. Alors, le seul amour qui peut nous combler, c'est l'amour de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas une question de religion, mais de relation, de cœur à cœur. Alors même si toi tu ne crois pas en Dieu, sache que Dieu croit en toi. Alors si jamais tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, pour avoir la vie éternelle, parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu, et avec le péché on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu si on ne sait pas, si on n'a pas demandé pardon à Jésus-Christ. Alors vous pouvez faire cette prière si vous voulez recevoir cette vie éternelle. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que j'ai fait le mal envers toi. Je te remercie pour ton immense amour pour moi. Je crois que tu as donné ta vie à la croix pour moi, que tu es mort pour moi, mais que tu es ressuscité d'entre les morts. Je t'accepte dans ma vie, dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus, amen. Soyez abondamment bénis. La vie peut-être elle est longue, mais elle peut être courte aussi. Et vous savez que la mort ne prévient pas. Mais Dieu prévient toujours. Mais la mort est bien réelle. Et la mort peut frapper à n'importe quel moment. T'as beau être jeune, beau, belle, ou avoir de l'argent, tout posséder. Ce train ne prend plus de voyageurs prochains. Sache que côté mur, descente à droite. Tu n'apporteras rien avec toi. Et la mort, elle peut frapper à n'importe quel moment. Soyez bénis, bonne soirée, messieurs, dames.